Est-ce que vous jouez au loto ? Très rarement. Très rarement parce que j'ai pas l'habitude de gagner. Donc, la chance, elle sourit à ceux qui l'attirent. Quand j'étais jeune, bon maintenant, je vois plus ces gens. Mais ils se mettaient à 19. À 19, ils mettaient des fonds ensemble, 19, et ils participaient vraiment à des gros gains. Ils participaient tous ensemble. Et un jour, ils ont gagné, à ce moment-là, c'était des francs français, ils ont gagné, je crois que c'est 40 millions de francs. Ils étaient 19, mais c'est bien, quoi, parce qu'il y a 19 familles qui ont pu bénéficier de cet argent. Bon, moi, j'ai jamais eu cette chance de gagner, j'ai pas participé dans leur jeu. Vous avez des numéros fétiches, porte-bonheur ? Le 7. C'est pas un fétiche, c'est bien un numéro qui me porte la poisse. Bah, je sais pas, peut-être que... Disons que le 7, c'est le numéro qui me rappelle que il faut que je fasse attention. C'est vrai que grâce au loto, on peut enrichir les gens facilement. Je conseille ça aux gagnants, c'est de faire des BA, de bonnes actions pour les plus démunis, construire un peu les foyers des handicapés, ne pas oublier la société en quelque sorte. C'est pas parce qu'on est gagnant d'un million, deux, dix, voire quinze, je sais pas, qu'on peut en profiter seul, autant que tous en profitent. Et ça, pour ça, le loto, c'est bien. Il donne la chance à tout le monde, en fait, de gagner.